je ne sais pas du tout ce que je suis, pourquoi je fais des chansons, ni ce que je vise, si vous voulez, en faisant des chansons, c'est communier avec les autres. Je pousse un petit cri, puis les autres l'entendent, ne l'entendent pas. Les sabots et laine étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Mon père avait 40 ans quand je suis né, ma mère 33, vous voyez, c'était pas des petits-enfants. Même à cet âge-là, c'est-à-dire à l'époque où j'avais ma connaissance, moi, c'est-à-dire à l'époque où j'avais 50 ans, mon père arrivait souvent en disant « Ma mère, j'ai entendu telle chanson ». Et demain, le copain me la rechantera, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas d'autres moyens. Demain, le copain me la rechantera, et c'est celle-là. Il a chanté un bout à ma mère, et puis finalement, comme ça, ils échangeaient les chansons. Et vous écoutiez? Et moi, j'entendais tout ça. Je me nourrissais. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, ma sœur, mes cousins, mes voisins. Tout le monde chantait. Ce qui fait que je ne me souviens pas d'avoir existé sans chanson. Ce qui fait que... la chanson, pour moi, a toujours été une fête dès l'enfance. Et puis, à 30 ans, quand j'ai commencé à avoir du succès en public, la fête a continué. J'aimais la chanson, vous savez, dès le collège, je ne pensais qu'à ça. Je me souviens des cours de sciences naturelles pendant lesquels je chantais les chansons de Ray Ventura. Je me souviens très bien de ça. Je me vois encore en train de taper sur la table et de battre la mesure comme ça en chantant « Un Français de bonne mine, rapporté de son voyage en Chine ». Je ne m'occupais que de chansons. Votre enfance, vous l'avez passée à 7. Vous êtes donc ce qu'on appelle un homme du midi. Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. En fait, vous vivez pratiquement toute l'année dans le Nord. Alors comment expliquez-vous cela? Le bassin parisien est un climat plus tempéré, c'est pas tout à fait le Nord. Mais je me plais à Paris parce que j'y suis venu au moment de l'adolescence, au moment de la guerre d'ailleurs. Et je viens pour tenter l'aventure dans la chanson, avec ma prétention bien sûr, et mon prétendu génie. Et là je me suis tout de suite aperçu que les chansons que j'écrivais étaient bien plus mauvaises que les pires qu'on entendait à cette époque. Et je me suis mis à ce moment-là à fréquenter les poètes. Alors j'ai eu ma vraie crise, alors de vrai génie. À ce moment-là, 23-24 ans, j'ai vraiment cru que j'étais un génie. Alors j'ai commis des tas de vers. Puis un beau jour, plus sagement, je suis revenu à la chanson. Et alors à ce moment-là, j'ai écrit des chansons moins, un peu plus relevées que les premières. Les premières qui étaient influencées, mais mal, influencées directement des chansons de Misraki, de Tranchant, de Traîner, de Geniès, de Mireille. Je fais en sorte que mon père, ma mère, Jeanne, Marcel, les chats, les chiens, tous les gens que j'ai aimés, que j'ai connus, que j'ai fréquentés pendant 20 ans ou 25 ans, là, ne soient pas absents, ils sont toujours là. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots de laine, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Vous savez, je vis chez moi à Paris et je note tout ce qui me passe par la tête, le meilleur et le pire. Quand j'ai une émotion, une impression quelconque, quand je mets une couleur sur quelque chose, une couleur qui me paraît particulière, je note ça sur un cahier. Un cahier que je consulte, que je travaille constamment. Et j'ajoute à ces impressions d'autres impressions. Petit à petit, ça finit par faire un vers, une strophe, puis une chanson quand c'est assez développé. Est-ce que votre guitare est vraiment une amie pour vous? La guitare en général, oui, parce que j'en ai changé souvent de guitare. C'est un peu comme l'amour et les femmes, ça. Je ne parle pas pour moi, je parle pour les hommes en général. C'est toujours la même guitare, c'est toujours la même... C'est l'amour, mais c'est pas toujours la même femme. La guitare, c'est pareil. Dans votre vie, c'est les copains d'abord? Presque tout le monde est fidèle à ses amis. Les gens qui ne sont pas fidèles à leurs amis n'ont jamais eu d'amis. C'est pas... Tout le monde est fidèle à ses amis. Seulement, comme j'en parle, moi, c'est comme la mort. Il semble que j'attache plus d'importance à l'amitié. Que je ne vaux pas plus en tant qu'ami que les autres. Et mes amis ne valent pas plus que les amis des autres. Sauf que dans la chanson, les gens sont en général très occupés, alors ils se voient peu, mais enfin, j'ai quand même des amis. J'ai passé la semaine dernière une journée avec Adamo. Là, j'avais vu Joe Dassin. Je suis un grand ami de De Vos, d'Aznavour. Je vois beaucoup. Tino Rossi, enfin, plein de gens. Ventura, mon éditeur. Je demande toujours à quelques amis, pas quelques-uns, qui, en l'opinion desquels j'ai assez confiance, quand j'ai fini une chanson, je leur demande
ce qu'ils en pensent. Alors si, à 5 ou 6, ils trouvent qu'une chanson est mauvaise, ou qu'un vers est mauvais, ou qu'une musique est mauvaise, alors je me rallie, je me range à leur avis, oui. Mais si vraiment je trouve quelque chose qui me plaise à fond, sur lequel je n'ai aucun doute, alors là je pense qu'il faut que j'ai tort tout seul. Il vaut mieux avoir tort tout seul que raison avec tout le monde. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. L'amitié, c'est un des grands thèmes de vos chansons, mais il y a également l'amour. Alors une question, au fond, vous ne vous êtes jamais marié. C'est difficile de parler de l'amitié, mais alors l'amour, c'est l'amour, impossible. L'amour, oui. C'est impossible. Votre conception on de l'amour. On n'en peut parler que comme ça. Je n'ai aucune conception de l'amour. Vous savez, je pense que c'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet assez sacré quand même. Il vaut mieux ne pas dire trop d'âneries là-dessus. Surtout que si les âneries ont été proférées sur cette terre, c'est bien à propos de l'amour. Alors je ne veux pas grossir. Vous aimiez bien la Belgique, il paraît. Et vous n'avez pas dit comme ça Non, non, je me sens. C'est un des rares pays dits étrangers. J'ai horreur de ce mot étranger parce que pour moi, l'étranger, ça n'existe pas. Mais c'est un des rares pays étrangers où je me sens quand même à mon aise. Je me sens un peu chez moi. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru, que la vie serait belle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Vous avez un public immense, Georges Brassens. Est-ce que vous ne préférez pas la solitude? Non, je veux dire, je me suis habitué à passer en public à l'origine. J'aimais pas tellement passer en public. Je me croyais fait. J'étais fait pour ça, d'ailleurs, pour écrire des chansons et pour les faire chanter par d'autres. Et au début, quand je suis entré en contact avec le public en scène, ça m'a un peu gêné. J'ai eu du mal à m'y habituer. Mais maintenant, maintenant il s'est établi entre le public, du moins un certain public, et puis... Vous avez besoin de lui maintenant? Vous avez besoin des autres? Oui, mais je crois que j'ai toujours eu besoin des autres, mais je m'en étais pas aperçu. La guitare est là. Où? Là. Je sais que ce sont des amis, les équivoques sont levés maintenant. À l'origine, on venait me voir pour des raisons... Parfois pour de bonnes raisons, parfois pour des raisons discutables, pour m'entendre dire des gros mots. Enfin, on ne savait pas qui on avait affaire. Il y avait beaucoup de curieux. Maintenant, ceux qui viennent me voir sont, je crois, vraiment des amis. Alors, c'est vous parlez, on fait la moitié du chemin, on se donne des rendez-vous comme ça. Vous venez de parler de gros mots. Oui. Je crois qu'ils sont quand même indispensables pour réveiller certains. Oui, moi je n'ai jamais considéré ça comme des gros mots. Parfait, merci. Je vais m'entendre, hein, tu crois? Ce que je vise, si vous voulez, en faisant des chansons, c'est communier avec les autres. Je pousse un petit cri, puis les autres l'entendent ou ne l'entendent pas. Mais enfin, non, finalement, ce sont des chansons d'hommes relativement contents de vivre, quoi, comme on peut l'être, heureux de vivre, comme on peut l'être dans le monde actuel, quoi. Enfin, je ne suis pas l'imbécile heureux, bien sûr, mais je ne suis pas si malheureux qu'on semble le croire quand quand on écoute 2-3 mots, je parle de mort, tout ça, on en a souvent parlé, vous savez, parce que j'ai fait 2-3 chansons d'enterrement, on en a conclu que j'avais peur de la mort, parce que j'ai dit 2 ou 3 fois du mal des femmes, on en a conclu que j'étais misogyne, parce que j'ai dit 2 ou 3 fois du mal des gendarmes, on a pensé que j'étais un ennemi acharné des lois. Remarquez, j'ai pas une sympathie marquée pour les lois. Mais enfin, je trouve qu'on est allé un peu vite, parce qu'à l'époque où j'ai précisément dit 2 ou 3 fois du mal des femmes, j'en disais aussi énormément de bien. Vous savez que sans me vanter, je suis un des rares qui ne disent pratiquement jamais du mal des femmes en général. Vous n'êtes pas misogyne, c'est une mauvaise renommée. Je suis même le seul dans la chanson qui ait fait de la femme une déesse, mais enfin, ça n'est pas d'aperçu. On a voulu voir que le côté, les coups de griffe que je pouvais donner en passant. Quoi. Est-ce que Georges Brassens aime Georges Brassens? Je t'ai dit, il s'agirait de savoir qui est Georges Brassens. D'ailleurs, moi, j'en sais rien. Le Brassens qu'on voit sur l'affiche, je ne le connais pas très bien. Je suis un homme comme les autres, un pauvre bougre qui fait quelque chose et qui essaie de le faire partager aux autres. Alors, le Brassens extérieur, celui justement pour qui on dérange des caméras, alors je ne le connais pas très bien. Je m'en fous un peu de celui-là. Je fais des chansons et quand les autres les acceptent, je suis content.